Bonjour, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas à y en liker. Eh bien, aujourd'hui, on va voir un thème. Que pense-t-il de vous? Eh bien, votre campagne, de vous, de votre relation, on va peut-être voir également votre futur. Eh bien, que pense-t-il de vous? Et alors, la carte, la force, vous savez, c'est très intéressant parce que il vous voit quelqu'un charismatique. Vous avez du charme, vous avez la force de caractère. Attirance physique, sexuelle également. Donc voilà, vous avez vraiment une forte personnalité. Peut-être vous aimez être aussi au centre de l'attention. Donc voilà, que on vous apprécie, votre caractère. Et vous savez aussi, c'est un indice que peut-être il sent aussi qu'il a retrouvé aussi cette force donc, dans son caractère également. Il est plus en confiance en elle. Et vous savez aussi, c'est un petit indice. Donc sur cette carte, il a trouvé une approche donc vers vous. Peut-être même si votre caractère est très fort, je pense que peut-être par sa personnalité, sensibilité, les émotions, il a trouvé une approche vers vous. Et entre vous, il y a cette attente. Mais plus important, c'est vraiment votre caractère fort, charisme, charme que vous avez. Et voilà. Et alors la carte des amoureux, j'adore parce que il se sent vraiment que votre couple, votre union, c'est quelque chose d'important pour elle. Donc c'est basé sur les sentiments profonds. Et vous avez ici, on voit quand même donc ce couple qui a plein de chemins autour. Et c'est à vous vraiment de décider quelle direction vous souhaitez prendre. Donc voilà, vous orienter vers votre futur ensemble. Très intéressant. Qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et alors, la carte de prospérité également. Donc, je vois que peut-être, donc, dans votre vie, vous avez déjà un beau résultat par rapport à votre travail. Vous pouvez vous réaliser professionnellement et vous avez peut-être cette base, la stabilité. C'est un petit peu aussi la carte de famille, mais vraiment cette famille stable, la relation qui est basée sur la confiance, peut-être aussi une sœur qu'il a retrouvée. Voilà, dans sa vie, je pense qu'il voit vraiment avec vous cette perspective où vous avez déjà la famille, où il souhaite l'avoir cela dans le futur avec vous, et bien, et regardez, prend plein de perspectives. Vous savez, il vous voit quelqu'un qui peut se réaliser dans sa profession, dans son travail. Donc voilà, et peut-être même si vous avez déjà une base, c'est pas fini, et vous pouvez avoir des perspectives donc dans le futur, et en général, dans la relation, c'est aussi, c'est une carte qui me montre que c'est un petit peu comme la vie qui vous donne cette chance de créer votre couple, la famille, peut-être même avec elle, vous pouvez vous réaliser mieux, vous savez, comment elle vous donne des ressources, elle vous motive, donc c'est possible, mais en général aussi pour la relation amoureuse, c'est les perspectives qui vous donnent cette stabilité, confort dans le futur, et donc elle, elle voit cela avec vous, et bien, très intéressant, ou vous savez, elle vous voit quelqu'un jaloux, et bien, peut-être c'est vraiment ça que vous montrez de temps en temps, vous pouvez être aussi un petit peu possessif. C'est un petit peu important pour vous d'avoir les personnes à côté de vous et d'avoir confiance et être sûr que, voilà, vous avez cette relation stable. Donc, dans votre avis, il y a toujours cet accent sur une base que vous avez, une base financière, cette stabilité. Donc, voilà, et bien, la carte du diable. Alors, vous savez, il ressent une tentation totale avec vous. Vous devez le savoir, cette attirance. Nous avons commencé avec cette carte de force, c'est aussi la carte de la passion, et bien j'ai la confirmation ici que vous lui donnez peut-être des sensations très fortes, la passion, et vraiment envie de peut-être changer sa vie. Vous savez, c'est aussi un petit peu la carte de relations sexuelles, et peut-être vraiment dans votre couple, c'est très important. Il peut avoir des sensations, peut-être réaliser ses fantasmes, ce qu'il souhaite, et bien très très intéressant. Qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et alors, la carte des rêves, justement, j'ai la confirmation parce que juste à côté de la carte de relations sexuelles, je pense que vraiment, avec vous, il peut réaliser ses fantasmes. Et donc, c'est pas fini parce qu'il y a d'autres choses qu'il veut faire. Préparez-vous à cela. Eh bien, très intéressant quand même, cette information. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Peut-être comment elle voit votre futur, votre relation. Ah, vous savez, en ce moment, il est en train d'analyser votre vie, il est en train de penser au futur, à faire son plan un petit peu, sa stratégie. Vous devez le savoir, mais une femme très intelligente. Donc voilà, eh bien. Et alors, là ici, j'ai l'énergie de monsieur, j'adore, parce que, alors monsieur, vous êtes quelqu'un, donc sensible, romantique. Donc pour vous, les sentiments sont très importants.
important. Et il vous voit comme ça. Et peut-être même, peut-être de temps en temps, vous pouvez montrer vos sentiments ou elle, il souhaite que vous serez donc de cette façon romantique, un petit peu sensible, donc que vous montrez vos sentiments, parler de votre amour. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui est diplomate. Donc dans votre vie, je pense que vraiment c'est aussi ça qui vous donne cette réussite. Donc dans votre travail, et voilà, et peut-être même vous trouvez une approche avec des gens. Donc vous adaptez à la situation. Et c'est très très important. Et bien, et alors, vous savez, j'ai un indice que vous pouvez avoir les développements dans votre relation. Et c'est aussi madame qui souhaite apporter des changements, que votre vie bouge. Vous savez, c'est aussi un indice pour le voyage que vous pouvez faire prochainement, donc voilà, et en général, peut-être il y aura d'évolution, il y aura des changements qui vont se passer, et alors, ici, j'ai un indice aussi, donc sur monsieur, et vous savez, vous aussi, toujours un accent sur cette stabilité, et bien, vous savez, c'est aussi un homme qui est marié, qui a une famille, je pense que elle, il vous voit de cette façon, donc voilà, peut-être même vous êtes déjà marié, donc c'est possible que vous avez une relation stable, et il vous voit cet homme avec la réussite, vous lui donnez donc un sentiment de confort et voilà, ou peut-être il souhaite réaliser avec vous justement la création de la famille. Et bien, très intéressant. Alors, impératrice, mais j'adore, j'ai la confirmation parce que vous savez, cette femme, il se sent avec vous, mais quelqu'un très féminine, donc elle peut montrer sa féminité, élégance, vraiment se sentir femme, et c'est tout à fait normal parce que j'ai vu cet homme romantique, peut-être vous pouvez l'entourer de votre attention, lui faire des compliments, et peut-être voilà, avec vous, il se sent peut-être en sécurité, donc avec cette situation confortable, il peut s'occuper d'elle, donc montrer même sa personnalité, vous savez, c'est une femme qui est assez forte également, peut-être elle peut même prendre des décisions, donc vous montrer ses souhaits, donc voilà, et vous savez, c'est aussi une femme qui a un statut, eh bien, peut-être pour elle, c'est très, très important. Mais je pense que pour vous les deux, parce que vraiment, vous êtes à côté l'un de l'autre, et on voit ces deux personnalités. Donc, vous aussi, vous êtes orienté vers la création de la famille. Eh bien, et alors, j'adore encore la carte de l'amour. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, les relations amoureuses que vous pouvez développer, les rencontres amoureuses, parler de vos sentiments. Donc, voilà, eh bien, tout ça, c'est les souhaits de madame. Elle pense à vous de cette façon que vous pouvez lui donner tout cela, ou peut-être même c'est en ce moment que tout ça se passe dans votre vie, et c'est bien apprécié par madame. Donc voilà, et bien qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Un peu de concurrence, et bien peut-être c'est tout à fait normal par rapport à vos deux caractères. Vous savez, c'est au positif, cette carte, ça montre un petit peu toujours la passion que vous avez entre vous, et peut-être chacun montre son caractère, et votre relation n'est pas ennuyeuse. Donc voilà, tout simplement. Et bien, qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à votre évolution, donc dans votre couple? Alors, vous savez, je pense qu'il aura un peu de moments d'attente, peut-être avant de prendre des grandes décisions, changer quelque chose. C'est aussi la carte de repos. Peut-être vous allez prendre un petit moment entre vous pour vous reposer, relaxer. Donc, c'est un petit peu la carte des petites vacances, peut-être un petit week-end. Donc, c'est possible, et bien. Et alors, vous savez, il y aura peut-être plein d'idées par rapport à votre futur. Je pense que ça va venir de madame parce que j'ai vu cet esprit, quelqu'un qui fait son plan, l'analyse. Il peut avoir plein de projets. Je pense qu'il va vous parler honnêtement par rapport à son futur. Qu'est-ce qu'elle souhaite avoir, quels changements, les projets qu'elle souhaite réaliser. Donc voilà. Alors, la carte de destin, vous savez, je dois vous dire que peut-être, donc cette femme, donc cette relation, c'est quelque chose d'important pour vous. C'est peut-être avec elle, vous pouvez avoir une autre vision de la vie amoureuse, de votre vie en général, peut-être la vie en couple, donc la famille, que peut-être vous allez faire des conclusions, mais quelque chose de très important, vous savez, c'est la carte qui montre que peut-être cette relation, c'est votre destin, cette femme, c'est votre destin, et donc vous devez faire attention à cela, mais ça va vous donner comme un réveil. Donc vous savez, voilà, peut-être des projets que vous allez réaliser, des événements qui vont se passer. Donc voilà, comme un réveil, et vous avez envie de réaliser plein de choses. Donc voilà, vous faites les conclusions, peut-être des grandes décisions également, donc c'est possible.
Donc voilà. Et alors, vous savez, là ici, je vois également madame qui sera très active. Donc voilà, elle peut se montrer aussi leader, par rapport à ses projets qui se réalisent. Vous allez peut-être la découvrir de cette façon et ça peut peut-être même vous perturber un petit peu. Donc elle va se montrer, de cette façon. Et voilà. Et bien, attention, je regarde une carte, je vais voir la confirmation. Vous savez, je vois également que peut-être aussi dans votre passé, vous avez une certaine déception. Peut-être, vous savez, la relation amoureuse qui s'est mal passée, donc peut-être une rupture. Alors, vous savez, la vie vous donne la chance de un petit peu tout recommencer à zéro. Vous savez, c'est comme une nouvelle étape qui vous commencez pour vous, vous savez, avec les pensées positives, comme une nouvelle vie, absolument une nouvelle vie. Et tout ce qui est négatif, ça reste dans le passé. Vous savez, c'est un petit peu un indice pour vous. Donc, voilà que peut-être cette femme, il va vous apporter. Nous avons vu des sentiments. Vous avez les sensations ensemble, donc voilà plein de projets que vous pouvez réaliser dans le futur. Et avec elle, vous commencez une nouvelle vie. Vous savez, c'est une étape. Commencer quelque chose termine, peut-être quelque chose qui s'était incertain pour vous dans le passé. Et bien, avec elle, vous prenez peut-être un grand engagement. Et ça peut être la création de la famille, donc votre couple, vous installez ensemble et votre vie change globalement. Donc voilà, mais soyez toujours orienté vers le positif. Avec cette légèreté des rêves. Donc voilà un indice pour vous. Et qu'est-ce qu'ils devront savoir d'autre? Et regardez, j'ai la confirmation, la transformation totale. Il y a encore un accent que votre passé se termine. Donc la vie comme avant ne sera plus possible. Et bien, avec l'arrivée de cette femme, je pense qu'elle va vous donner les sentiments, l'énergie, des perspectives. Et bien, votre vie change globalement, mais vers le positif. Donc j'ai la confirmation que peut-être c'est même la vie qui vous guide. Parce que nous avons vu un petit peu la carte de destin également. Donc avec elle, vous pouvez réévaluer donc votre vie complètement. Donc voilà, il y aura des changements, mais assez importants. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Quel sera le résultat? Eh bien, vous êtes orienté vers le futur. Donc je pense que vous, messieurs, vous allez penser aussi donc à votre future vie. Donc qu'est-ce qui vous attend? Et toujours cet accent sur la stabilité, il y aura le développement. Je pense que même dans votre travail, vous pouvez avoir un petit résultat, mais doucement, votre situation va s'améliorer encore. Donc voilà, et bien, et alors madame, elle va arriver énormément. Donc elle est orientée vers le futur. Qu'est-ce qu'elle souhaite réaliser? Plein de projets, donc fantasmes, rêves. Donc voilà, elle sera aussi quelqu'un romantique. Donc ici vraiment madame, nous avons vu en plusieurs donc énergie. Il peut se montrer vraiment quelqu'un différent. Donc vous devez le savoir. Donc peut-être dans le travail, elle va se montrer quelqu'un intelligent, un grand spécialiste. Avec vous, elle sera plus romantique. Peut-être aussi un petit peu leader dans votre relation, donc c'est possible, elle va se montrer aussi quelqu'un fort, donc préparez-vous à cela. Et bien, et alors j'adore regarder encore la carte de l'amour, mais vous êtes ici dans le bateau, les deux, et vous prenez cette direction vers le futur, donc mais vraiment c'est un accent sur vos sentiments, donc votre amour qui vous réunit, et ça peut être aussi que vous pouvez développer les rencontres amoureuses, donc qui vous attend, voilà, et bien, très intéressant, la déclaration d'amour, et bien, messieurs, préparez-vous. Alors, vous savez, j'ai un accent que peut-être, soit vous pouvez développer une idée, donc un petit projet que vous commencez ensemble, ou c'est un indice sur un enfant. Est-ce que vous souhaitez cela? Donc, sachez que c'est possible. Eh bien, et regardez le carte le soleil, vous savez, c'est le bonheur total, le succès, la réussite. Vous savez, ça peut concerner votre vie amoureuse, mais votre vie en général, peut-être, ces sentiments positifs que vous avez dans votre couple, ça va vous donner du positif aussi dans votre vie en général, il y aura cette réalisation, le résultat dans votre travail, préparez-vous à cela, vous savez, c'est un petit peu tout lié, mais cette carte, ça montre en général le succès, le bonheur, et c'est aussi la carte de vacances, peut-être, donc après une certaine attente, prenez le temps pour vous, pour passer des vacances, donc prendre du plaisir dans la vie, et alors, vous savez, également, j'ai un accent, que peut-être, mes messieurs, vous savez, peut-être vous allez même sentir que cette femme, c'est comme votre idéal, donc voilà, et dans cette relation,
Vous pouvez avoir cette femme qui vous inspire et qui vous donne envie, l'énergie, c'est possible. C'est peut-être même quelque chose que vous cherchez depuis un moment. Et un accent aussi que ensemble, donc avec vos deux caractères, vous pouvez réaliser beaucoup de choses. C'est un petit peu la carte de partenariat. Donc quelque chose que vous pouvez faire ensemble dans le futur. Eh bien, vous savez, j'ai encore un accent que vous pouvez développer votre situation financière. Il y aura entraide. Je pense que chacun va apporter quelque chose dans cette relation. Donc, dans ce couple, peut-être l'attention, les conseils, il y aura soutien. Donc, voilà, eh bien, c'est quand même quelque chose que vous avez déjà la réussite que vous avez eue ensemble. Donc, dans votre vie. Eh bien, très intéressant quand même, nous avons vu les indices. Que pense-t-elle de vous, de votre relation? Eh bien, il y a plein de rêves que cette dame donc ressent, de plein de sentiments par rapport à futur. Et peut-être même, il y a des bons changements qui vous attendent. Préparez-vous à cela. La carte de conseil, comment vous devez vous comporter? Alors, comme un empereur, mais bien sûr, je n'entendais pas d'autre chose. Eh bien, messieurs, vraiment, vous devez aussi montrer votre caractère. Vous savez, c'est quelqu'un qui est déterminé. Vous savez qu'est-ce que vous souhaitez. Vous pouvez faire aussi votre stratégie, plan pour le futur. Et vous êtes déterminé, vous n'aimez pas perdre. Vous souhaitez avoir la réussite. Et vous souhaitez aussi avoir une femme à côté de vous, digne de vous, qui va vous correspondre, qui va vous donner aussi des ressources, des perspectives, qui va vous inspirer, avec qui ça sera mais complètement intéressant. Même peut-être, oui, un peu de concurrence. Nous avons vu cela. Mais vos deux caractères, donc c'est peut-être vous correspondez l'un à l'autre. Et regardez vraiment, j'ai ces deux belles cartes, je dois vous montrer. Donc, que pense-t-elle de vous? Mais tout simplement, vous êtes empereur et elle est impératrice. Donc, vous formez peut-être un couple idéal. Donc, vous devez le savoir. Donc, voilà. Donc, plus important, que pense-t-elle de vous, de votre relation? Et vous savez, donc voilà un indice pour vous, le conseil, montrer votre personnalité, votre caractère également. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des perspectives qui s'ouvrent à vous, le résultat, le succès, le bonheur. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, amour, bonheur, passion. Prenez le risque pour changer votre vie parce que le destin vous appartient.